causerie débat autour des questions liées au droit à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes et écorumine à travers la ville de Karimama. C'est la manière choisie par l'organisation non gouvernementale Bussola de sensibiliser et mieux informer leurs cibles. Cette activité émane du sous-projet Tchebonka, de la deuxième phase du projet Tedijo, financé par Care International Bénin Togo et la Fondation for a Just Society International. Parce que le sous-projet Tchebonka, que depuis pratiquement le mois d'avril nous pilotons, est focus désormais sur ce fléau qui fait et que beaucoup de jeunes filles abandonnent les cours. Et nous avons voulu résoudre ce problème le temps que nous puissions voir de façon pérenne quelles sont les mesures qui pourraient être prises pour que vraiment les enfants puissent rester à l'école malgré les menstrues. Dans une première phase, on fait une causerie éducative sur une thématique donnée. Dans une seconde phase, on fait une marche écologique sur une distance bien définie et pour assainir rapidement le cadre de vie. Les échanges de la causerie, dirigés par un spécialiste de la santé, soutenu par les responsables du centre de promotion sociale de Karimama, ont tourné autour de l'hygiène menstruelle. Nous avons constaté que les jeunes filles sont abandonnées par les parents et qu'à la pression des premières règles, les enfants sont stressés parce qu'elles se réveillent un matin. Pour sa première fois, elles voient son dessous est taché, donc ça fait qu'elle est un peu stressée. Nous avons constaté que aussi, il n'y a pas de communication entre les parents et les jeunes filles. Donc c'est pour ce fait que, avec l'appui des ONG, l'organisation de cette séance nous permet, nous agents de santé, d'apporter des clarifications à ce que les jeunes filles et les jeunes garçons arrivent au moins à gérer cette période-là. Moi, mon message, c'est de bien cerner d'abord ce que le formateur a dit, de l'intérioriser et de tout faire pour bien connaître son corps, parce que chaque fille est quand même particulière. À l'issue de cette causerie débat et l'assainissement de la ville, des adolescentes ont lu un plaidoyer aux autorités communales. Prévoir désormais dans le budget communal destiné à la réalisation des infrastructures immobilières dans les écoles une ligne pour la réalisation des latrines sanitaires hygiéniques dans les écoles afin de permettre aux filles de prendre soin d'elles en cas de menstrues même à l'école. Le représentant du maire de Karimama a promis rendre compte à qui de droit pour répondre favorablement aux différentes doléances formulées. Nous vous promettons d'ores et déjà de soumettre vos plaidoyers au conseil communal et plaidoyer à notre tour pour la prise en compte et l'effectivité de ce souhait que vous avez formulé. Occasion pour les responsables de l'organisation non gouvernementale Bussola de remercier les différents partenaires. Les mots de remerciement sont à l'endroit de Care Bénin Togo qui milite toujours pour les droits des jeunes et adolescents et dans pratiquement tout le Bénin, en l'occurrence dans la commune de Karimama. Merci à la Fondation for a Just Society également qui appuie Care dans toutes ses actions. Merci beaucoup aux participants et qui à chaque fois militent également pour la réussite des activités. L'organisation non gouvernementale Bussola, à travers ses sensibilisations, entend jouer sa partition pour la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes de la commune de Karimama. Le même exercice est prévu dans les autres arrondissements de la commune de Karimama, notamment à Birni-Lafia, Kompa et Karigi.